Le mardi 2 janvier dernier, les spectateurs ont pu observer le mal-être d'Elena au cours des émissions en direct de la Star Academy. La jeune femme, visiblement bouleversée, avait été vue en larmes et avait de surcroît décidé de ne pas prendre part aux répétitions en prévision du prochain prime time. Une observation faite par ses admirateurs les plus assidus. Selon une publication sur un groupe de discussion dédié à son soutien sur Facebook, des informations suggèrent que Elena aurait récemment perdu sa grand-mère. Bonjour à l'ensemble de la communauté. Je prends la plume pour vous communiquer, avec l'aval de ses parents, que notre chère Elena traverse actuellement le douloureux moment de la perte de sa grand-mère. Une personne avec laquelle elle entretenait une relation très étroite, peut-on lire. Les funérailles sont prévues pour ce vendredi, mais Elena ne pourra malheureusement y être présente. En cette période difficile, elle compte davantage sur notre soutien et notre présence pour l'accompagner dans cette épreuve, loin de ses proches. Tout en demeurant exemplaire sur le plan professionnel. Ce qu'elle accomplit avec une grande dignité depuis que cette triste nouvelle lui a été annoncée par sa mère en ce mardi après-midi. Elena et sa famille fondent véritablement leurs espoirs sur notre solidarité, sur la vôtre, afin de lui apporter un soutien inébranlable. Ce mardi 2 janvier, les téléspectateurs avaient pu observer le mal-être d'Elena au cours des émissions en direct de la Star Academy. La jeune femme, émue jusqu'aux larmes, avait également fait l'impasse sur les répétitions en prévision du prochain prime time, un fait observé par ses fans les plus dévoués. D'après un message publié sur un groupe de discussion dédié au soutien de la candidate sur Facebook, il semblerait que Elena ait récemment perdu sa grand-mère. Bonjour à tous. Ce message a pour but de vous informer, avec l'accord de ses parents bien entendu, que notre chère Elena vient de perdre sa grand-mère avec qui elle entretenait une relation très étroite. Peut-on lire ?